à la réunion. Quelqu'un qui arrive à sa maison la nuit. Et non, ils n'ont pas encore allumé les bougies, les lumières de Hanouka, et il n'a pas prié Arvit. Est-ce qu'il va prier Arvit d'abord, ou bien il va allumer? Alors, Rav Yosef pense qu'il faut prier Arvit, puisque pendant, dans l'année, il y a plus de fois qu'on prie à Arvit, c'est sûr, qu'on allume les lumières de Hanouka. Alors, Tadir, le Sheno Tadir, Tadir Kodem, et il faut d'abord allumer. Rav Yosef, il pense autrement. Comme ça, vous, d'après ce que vous suivez, si c'est Rav Yosef, alors vous devez prier d'abord Arvit. Et si vous suivez Rav Yosef Navashoul, alors vous pouvez allumer d'abord et puis prier Arvit. Et il se peut que même Rav Yosef sera d'accord si quelqu'un arrive un quart d'heure après Tzedak Kohanim, ou 20 minutes. Et là, s'il va prier Arvit, il ne va pas être dans la demi-heure que le Rambam pense qu'on est obligé d'allumer dans la demi-heure. Même que nous, en réalité, même après la demi-heure, on allume et avec la bracha. Mais on essaye toujours d'allumer la bougie dans la demi-heure pour être quitte avec la bracha du Rambam. Alors là, peut-être que Rav Yosef sera d'accord qu'il vaut mieux allumer que de commencer la prière et puis il va rater ce que pense le Rambam.